Bonjour et bienvenue sur Golf Kinéatum. Si vous êtes comme moi et que vous avez fait un petit peu des excès pendant les fêtes, bah c'est le seul moyen de les éliminer. Les excès de sucre, de gras, tout ça, c'est le carburant de notre corps. Donc pour consommer ce carburant, bah, il faut faire grimper le rythme cardiovasculaire. Et le gainage, les abdos, tout ça, ça ne va pas rentrer en compte. Pourquoi ? Parce que la graisse, elle est au-delà de la partie musculaire. Donc pour le golf, y en a plein qui vont me dire non, mais pour le golf, ça ne va pas être gênant. Pourquoi ? Parce qu'au golf, le plus important, c'est coordination, rythme et puissance. Vous pouvez très bien être un peu enrobé, mais avoir beaucoup de puissance. Si vous avez une bonne coordination, ben vous allez pouvoir progresser dans notre swing de golf. Après, d'un point de vue santé, c'est beaucoup plus gênant. Et là, par contre, ben le seul moyen de le consommer, c'est de faire des exercices cardio. Les abdos ne vont pas diminuer votre masse graisseuse parce que, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, la masse graisseuse est devant les abdominaux. Donc en fait, on va fonctionner, le corps est fait par couches. En premier, vous avez la peau, bien sûr. Après, vous allez avoir toute la graisse. Les abdos, bien évidemment, il va y avoir un petit peu de graisse là-dedans, mais ce n'est pas la totalité. Les abdos et après, tous nos organes internes, les intestins, tout ça. Donc, le fait de faire des abdos ne va pas faire diminuer cette couche graisseuse qui lui est extérieure en fait. Ça va être la marche rapide, le vélo elliptique que j'étais en train de faire, le vélo, enfin toutes les activités qui vont faire monter le rythme cardiovasculaire. D'ailleurs, au golf, pendant que vous... alors en marchant, ça ne marche pas en voiturette. Le rythme cardiaque va pouvoir monter jusqu'à 130-140. Mais c'est plus un stress que induit par une activité cardio augmentée. C'est un stress dû par le jeu en lui-même. J'avais rencontré le préparateur physique de l'équipe de France qui lui n'y connaissait rien du tout en golf. Et en fait, quand ils sont venus le chercher, donc du monde du rugby, pour aller vers le golf, de l'athlétisme pour aller vers le golf, il a comparé ça, parce qu'il a essayé, du coup il s'y est mis, il a comparé ça au stress d'une journée shopping dans les magasins avec plein de monde. C'est vraiment un stress qui est mental, et qui du coup va se retranscrire sur le physique, mais l'activité cardiaque ne va pas jouer là-dessus. Donc le seul moyen au golf, si vous voulez garder votre activité préférée, de brûler ces calories qu'on a accumulées pendant les fêtes, c'est de faire du speed golf. Le speed golf, c'est vous prenez trois clubs, un petit sac pencil, et vous allez en fait courir sur votre parcours. C'est pas possible dans tous les golfs, il faut quand même un petit peu d'une organisation. Mais voilà, c'est la seule activité cardio qui il va avoir en fait une partie golfique. Donc voilà pour cette petite vidéo d'après-fête. Pensez cardio pour un petit peu éliminer et après vous reprenez vos exercices habituels. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir mes Facebook et Instagram. Bonne journée à vous.